C'est trop triste. C'est-à-dire qu'ils avaient leur pire niveau. Mais contre nous, ils gagnent quand même. C'est-à-dire qu'on a joué contre l'équipe de France, l'équipe Z. On a joué contre l'équipe Z. Didier Deschamps a sacrifié zéro poule pour ce match. Il a même pas été voir son marabout. Il a pas besoin. On est déjà des sorciers. Il a même pas besoin de renouveler son pacte. On est nous-mêmes des sorciers. Je sais pas quoi dire, les gars, je vous jure. Je sais pas quoi dire. Si je continue la vidéo, je vais me faire sauter ma chaîne. On gagnera jamais tant qu'on s'appelle les diables. C'est aussi simple que ça. Pour gagner, on doit faire quoi? On doit se convertir à Christ. Voilà. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce que la Belgique a besoin de faire aujourd'hui. Si on veut gagner des matchs, il faudra que chaque joueur aille se faire baptiser. Tant que c'est pas fait, on ne gagnera jamais. C'est pas possible. Dans l'équipe de France, il doit y avoir un ou deux chrétiens, c'est sûr. Et les autres, c'est des musulmans. Mais dans notre équipe, il y a quoi? Que des pécheurs, que des satanistes. On nous appelle les diables rouges. Voilà pourquoi on gagne pas. Venez lire la parole. Oh, oh là là, mais arrêtez les sorciers. Jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée. C'est trop, c'est trop. Reculez les sorciers. Contre Uno. Je veux pas, je refuse. Recule contre Uno, les sorciers. Tu t'es endormi avec ton drapeau sur la tête? Je me suis endormi avec mon drapeau sur la tête et je vais pas me laver aujourd'hui, je vais rester dans mon lit. Donc là, tu crois que tout ce cinéma, ça mérite? T'as dit quoi? Tu crois que tout ce cinéma là, c'est pourquoi? Ils nous ont pissé dessus. Dembélé a marqué un but. On s'est pris un but par Dembélé. On est la honte du pays. Okay. Mais de toute façon, si je me rappelle bien, c'est pas la première fois que la Belgique a perdu, hein, donc je comprends pas, tu allez, devrais... Bon, je raccroche ça là. Allez, bonne nuit. C'est bon, allez. Bon les frères, c'est bon, je suis passé à autre chose pour la défaite de la Belgique. Parce qu'en fait, j'avais oublié quelque chose en fait. Je suis pas belge. Je suis congolais. Congo, mon pays. Oh, je suis congolais, je suis pas belge. Je suis pas belge, je suis noir, je suis africain moi monsieur. Je ne suis pas belge. Donc je m'en fous en fait de la Belgique les gars. Je suis congolais. 243 Loketo comme on dit encore Bana Congo. Je vois pas de quoi tu parles déjà pour commencer. J'ai jamais trahi le Congo, ok. Pendant que je regardais le match de la Belgique, je regardais le Congo en même temps, ok. J'ai pas de preuve de ce que je dis, mais je le jure, ok. Et ensuite, je suis congolais de pure souche moi. Et toi, Gayad ou Gayd, je sais même pas comment on prononce ton blast. T'es sûr que t'es congolais? C'est quoi ce blast d'Irlandais là? T'es congolais ou irlandais? Faut savoir. On ne joue pas avec le léopard du Congo. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Les gars, j'espère que vous allez bien, c'est le Big. On se retrouve pour de nouveaux snaps. Hier, vous m'avez tous harcelé par rapport à Belvina, ce qui s'est passé et tout, ce qu'on s'est dit. Ben, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer la conversation. Et vous allez me donner votre avis, les frères. Parce que moi, je sais pas encore ce que je dois croire, je sais pas encore ce que je dois penser. Du coup, je vais vous donner sa version, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Je vais vous faire écouter et... Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous expliquer la conversation, comment ça s'est passé. Déjà, sachez qu'au début, c'était un peu malaisant. Parce que... On savait pas quoi dire, on était là, on se regardait, on buvait nos verres. Je pense qu'il y a dû avoir un bon petit 10 minutes de silence. Ouais, un bon petit 10 minutes de silence, mais pas plus. Mais bref, voilà, déjà pour commencer, elle m'a affirmé que c'était bien son cousin. Elle a continué de me dire que c'était bien son cousin, que c'était vraiment pas ce que je croyais, que je me faisais, que je dois pas me faire de film, parce qu'elle m'aurait jamais fait ça, elle m'a dit que c'était vraiment son cousin. Ça reste à voir, ça je sais pas si je peux encore la croire. Mais voilà, ça reste à voir, mais en tout cas elle m'a juré sur tout ce qu'elle a de plus cher que c'était vraiment son cousin. Du coup je sais pas ce que je dois penser, je sais pas ce que je dois croire, mais comme ça vous savez au moins. Du coup voilà, après on a vraiment bien discuté. Je lui ai dit, moi je lui ai dit tout ce que je ressentais. Je lui ai dit que c'était dur, que déjà moi tout le trajet qu'on avait fait avec mes frères, que de base mon grand frère il voulait pas, mais que moi et Rusty on l'a forcé pour venir la voir et de voir qu'elle était avec un autre mec. Enfin, je lui ai dit de comprendre ma réaction, que je voulais plus lui parler, que j'arrivais pas à la croire. Et elle a compris, elle est intelligente, elle a très bien compris ma réaction. Elle a compris que moi je voulais plus entendre parler d'elle. Que même si on n'était pas ensemble, hein, on est même pas ensemble. Ça m'a quand même fait un choc. Parce que je lui ai dit que voilà, c'est... Quand tu parles avec une fille, qu'après tu découvres que... Bref, qu'elle parlait avec un autre garçon, bref, vous-même vous savez, c'est compliqué. Voilà, elle a pas mal pris mes mots, elle a compris, parce que moi aussi, elle a dit qu'elle aussi, si elle était à ma place, elle aurait réagi comme ça, même encore pire. Du coup, voilà, ça, sur ce côté, ça s'est arrangé. Et après, elle m'a dit quoi?
Elle m'a dit que si elle m'avait supprimé, si elle m'avait, si elle me calculait plus, c'était parce que elle voulait que je cours après elle. En fait, elle disait qu'elle en avait marre que ce soit tout le temps elle qui fasse le premier pas. Elle voulait que ce soit moi qui cours après elle. Genre, elle voulait que je lui donne de l'attention. Ouais, vous connaissez les meufs comment elles sont. Vous connaissez, c'est les meufs. Elle m'a dit comme quoi que si elle m'avait supprimé, si elle me calculait plus, c'est parce que elle voulait que je... Là, en fait, elle voulait juste que je me bouge pour elle, que... Elle voulait que je lui montre que je tiens à elle. Voilà, parce qu'elle en avait marre de toujours... C'est toujours elle qui bouge, c'est toujours elle qui fait les actes. Elle voulait que je lui montre que je l'aime bien, que je tiens à elle. Bref, les meufs, elles aiment trop faire ça. Mais bref, elle m'a dit que tout ce qu'elle avait fait, c'était du cinéma, me supprimer, ne plus me parler. Tout ça, c'était du cinéma, tout ça pour que je la calcule, tout ça pour que je lui prouve que je tiens à elle. Bref, voilà. Sur ce, voilà, on a bien parlé. Après, elle m'a dit qu'elle tenait beaucoup à moi, que ça l'avait trop touché le fait que moi, je suis en mode je la calcule plus parce qu'elle, elle tient vraiment à moi. Elle m'a dit la preuve que voilà, elle est venue parler à Rusty. Elle a tout fait pour venir me parler. Et voilà, elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup et que elle voulait plus qu'on soit comme ça, qu'elle voulait plus qu'on soit en froid et que elle voulait plus qu'on soit en froid. Et voilà, sur ce, c'est comme ça que ça s'est terminé. Moi, de mon côté, je lui ai dit que je savais pas quoi penser, que pour l'instant, je sais pas. Je vais pas retomber dans le panneau de me dire, ouais, c'est bon, je te pardonne, on redevient comme avant. Je lui ai dit que j'allais réfléchir, que j'allais bien réfléchir, que. Tout ce qu'elle m'a dit. Et que voilà. Que voilà, pour l'instant, je sais pas quoi faire. Pour l'instant, je sais pas quoi penser. Et je lui ai dit que ça m'a quand même fait plaisir le fait qu'elle se déplace. Le fait qu'elle m'ait montré que voilà qu'elle tient à moi, ça m'a quand même fait plaisir moi aussi, mais que pour l'instant je suis au point mort. Je suis au point mort, je sais pas quoi penser. Du coup voilà, dites-moi ce que vous pensez. Comme vous l'avez vu hier pendant que je regardais le match, Ted et Rusty ont encore fait un coup bizarre. Ils ont été voir Belvina dans mon dos pendant que je regardais le foot. Apparemment, ce serait un coup de Rusty. Je m'en bats les couilles, moi. Je vais mettre la sauce à tout le monde. Donc là, je vais récupérer Ted parce que depuis tout à l'heure, il fait des stories. Il marche dans la rue, etc. Et tout. L'école, c'est fini depuis, hein, mais il marche. Il fait des tours pour me vesqui. Je vais l'attraper tout de suite. C'était grave bien, j'ai appris Je t'ai pas demandé. T'as dit quoi déjà avec Belvina? Tu m'avais dit que t'allais pas aller là. C'était l'idée de Rusty. T'as bien vu que c'était l'idée de Rusty. Pourquoi tu veux que ce soit l'idée de Rusty? Toi, quand t'es arrivé sur place, tu t'es pas dit, il y a un truc que je fais qui est pas bien là, qui est pas normal. Donc la meuf se fait torpiller, souiller, écraser par son cousin. Et toi, tu l'écoutes comme pas si tu pourrais en verre avec pas, elle. C'est pas sûr. Ah, mais non, c'est demi, c'est pas sûr. Non, mais c'est pas mais sûr. Mais non, c'est pas sûr. Attends, sur mon téléphone. Non, mais hier, on a écouté sa version. C'est trop ce que t'es en train de me dire. Mais gros, t'as écouté sa version. C'est un truc de fou. Mais gros, j'ai pas déjà. On est d'accord que tu ne crois pas ce qu'elle a dit. Non, t'inquiète pas. Non. Tu la crois. Je sais pas si je dois la croire. Donc en fait maintenant tu la crois. Mais peut-être on a. Tu sais que toutes les meufs se foutent de ta gueule et ça recommence à faire. Ça a rien à voir. Elle m'a bien expliqué. Mais frère, combien de meufs t'ont expliqué? Mais gros, j'ai pas dit que je la croyais, mais juste. Je sais pas, peut-être. Vas-y, c'est bon. Ok, Kinda, elle a fait tout ce chemin pour venir me parler. Elle a fait tout ce chemin. Pour me dire que c'était pas son cousin, frère. En face de moi se tient le clown originel, je vous explique. Il y a quelques jours, il nous disait « Belvina, elle s'est fait torpiller par son cousin, je passe à autre chose, j'ai compris, etc. » Maintenant, il me fait le mec qui hésite. Non, ta gueule, arrête de prendre cette air avec ta tête, arrête de faire le mec intelligent. T'es un idiot qui s'est fait disquette. Je sais pas si je dois la croire. Il y a deux jours, c'était « on la croit pas », elle s'est fait soulever que c'était pas son cousin. Maintenant, c'est « je sais pas si je dois la croire ». Laisse-moi parler. Réveille-toi, idiot. Elle a fait tout ce chemin. Quelle meuf a fait tout ce chemin pour me dire « mais quel
chemin. Elle est déjà sur Paname, idiot. Elle était déjà sur Paname, idiot. On a parlé hier, t'as même pas écouté sa version, tu veux même pas écouter. Vous voyez comment c'est un abruti? Combien de fois t'as fini par terre à cause d'une meuf? Encore recommencé? J'ai dit que j'allais combien de râteaux pour que tu comprennes? Tu veux recommencer encore? Non, justement, je vais réfléchir. Il est idiot. Je vais réfléchir. C'est que t'es quoi? T'es un idiot, je te laisse. Voilà. Fais ce que tu veux, t'es un idiot. Nina, tu veux te mettre en couple, tu veux te marier, fais ce que tu veux, frère. Bon, est-ce que j'ai dit ça? Tu peux pas dire que je t'ai pas prévenu. Est-ce que j'ai dit ça? Le jour où tu seras par terre, on va prier pour ça. Et le jour où ça va se produire, faudra pas venir me demander quoi que ce soit. Dit, okay, je vais rien faire pour toi. Est-ce que je t'ai dit que j'allais me marier, j'allais mettre en couple? J'ai dit je vais réfléchir à tout ce oui, qu'elle m'a dit. Ça commence toujours par les réflexions, t'inquiète pas. Réflexion puis des flexions dans le lit, on connaît très bien. Attends, frère. Oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée! C'est trop. Problème avec vous, c'est ça le problème avec vous. Vous pouvez pas être romantique en mode oh les amoureux, trop bien. Elle t'a fait une surprise tout non, direct. Elle t'a versé la sauce Michi, tu l'as bien rempli de ta sauce, frérot. S'il te plaît, genre, tu peux arrêter d'être un porc dégueulasse, s'il te plaît. Qui a dit qu'il s'était passé quoi que ce soit entre moi et Muriel hier soir? J'ai juste dit qu'on avait passé une bonne soirée parce qu'on a passé une soirée en amoureux. Ça m'a fait du bien. Elle a pensé à moi parce que voilà, j'étais pas bien à cause de la Belgique. Elle a voulu me faire une surprise. Elle a pris Airbnb. Airbnb, tard le soir, on était à deux. À quel moment ça veut dire qu'il s'est passé quoi que ce soit? Il s'est rien passé et vous avez zéro preuve de ce que vous avancez. Bande de menteurs. Je suis mort, putain, je suis mort. C'est... Je ne vous ai pas dit, mais hier avec Ted, on a eu une bonne discussion. Par rapport à ces histoires avec Belvina, etc. Non, t'inquiète, ça n'a rien à voir, tais-toi, je vais leur expliquer, tais-toi. En gros, j'ai parlé avec Ted. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a 18 ans, je devrais plus lui faire confiance. Et du coup, je lui ai dit, voilà, écoute, l'histoire avec Belvina, moi j'ai mon avis là-dessus. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Moi, je sais que c'est un garçon intelligent qui va pas se laisser berner, encore une fois, par une meuf qu'il prend pour un trou de balle parce que toutes les meufs se foutent de sa gueule et j'en ai ras le cul. La conclusion, c'est qu'on va lui faire confiance et on va laisser. Frérot, ça n'a rien à voir avec être chiant, c'est être un grand frère protecteur. Voir son petit frère se faire manipuler par toutes les raclis, c'est normal que moi j'ai le seum. Mais voilà, je te fais confiance. T'as 18 ans, vas-y, check-moi. Check-moi, j'ai dit. Tu me forces à check. Check-moi, voilà. Donc voilà, je lui fais confiance. Voilà, on fait confiance au big qui se laisse pas avoir. Ah, le big, hein. En plus, j'ai même pas dit que j'allais retomber dans le panneau. Oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Purée! C'est trop!